C'est très très mignon l'Hydra, hein. C'est magnifique. Hein. Oui, un très bel endroit, c'est unique. Hop. Merci. Super. Ravi de t'avoir rencontré. Merci Marina, merci beaucoup. Du soleil, des paysages magnifiques et la convivialité méditerranéenne. Voilà ce que je vous propose en Grèce cette semaine. De l'île d'Hydra à Athènes, en passant par la péninsule du Péloponnèse, cette région dynamique aux traditions très ancrées. Cette semaine, j'ai envie de vous montrer combien la Grèce met tout son cœur à surmonter ses difficultés, sans perdre pour autant son hospitalité et son authenticité. Voilà, kalos irsate, comme on dit ici, soyez les bienvenus dans mes échappées grecques. À Athènes, Critonas et Stavros me feront partager leur culture du bon goût. On va aller acheter quelques produits pour te cuisiner de bons petits plats grecs. Pour fêter Pâques, Dimitrios m'invitera dans sa grande et belle famille. Tu sais, ici dans ce village, on a la chance de faire beaucoup d'enfants. C'est notre joie. La meilleure façon pour pas que ça s'envole, hein, c'est que je fasse une petite sieste, moi. Rencontre avec Adonis, un vrai pop star dans son village. Je crois qu'il y a très peu de pauvres comme le père Adonis. C'est parce qu'il est jeune comme nous. Isabelle, elle, a déjà trouvé son coin de paradis. Alors, à nos santé. Merci. À cette belle journée, j'espère qu'il nous attend. C'est la presqu'île de Monemvasia. Mais tout de suite, je dois rejoindre Yorgos, un chauffeur de taxi très particulier. En France, on a un chanteur qui s'appelait Georges Moustaki. Moustaki. Et toi, tu t'appelles Georges, mais tu n'as pas la moustache. Un chauffeur au poil. Allez, zéro. Yorgos. Bienvenue. Calimera, ça va bien? Et toi, ça va bien? Et quel accueil, le soleil, ce magnifique village d'Hydra. Et beaucoup de charme, je trouve, surtout depuis que je sais qu'ici, il n'y a pas de voiture. Eh non, il n'y a pas de voiture. Il n'y a que ça, que des petits chevaux, les taxis d'Hydra. Lui, c'est un cheval et elle, une mule. Je vois que tu l'as décoré avec l'œil bleu. Comme c'est une fille, il faut qu'elle soit jolie. On va faire un tour? Oui, bah bien sûr. Et puis j'ai besoin de tes services, puisque j'ai quand même une grosse valise. Où est-ce que je t'emmène? À la pension Masteris. Ouais, ça va? Je peux charger ça dans le coffre? Le village est très montagneux, pentu. Tu mets combien de temps à aller tout là-haut? Ça dépend où tu vas. À peu près une heure et demie. J'aime bien, on retrouve la couleur des îles, ce blanc sur les murs à la chaux, là. Et ce bleu aussi. À Hydra, tout est traditionnel. Rien ne change. Et c'est en même temps ce que viennent chercher les gens ici. C'est cette authenticité. C'est là, on est arrivé. C'est tout prêt, super. J'entre, hein. À tout à l'heure, Yorgos. Merci beaucoup. Hein. Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue. Enchanté, Calimera. Jérôme, hein? Tu as fait bon voyage? Oui. Suis-moi. Ça marche. Donc ça, c'est ta chambre. Entre. Super. Tu as beaucoup de choses à voir. Installe-toi bien. Ça marche. On se voit plus tard. Merci beaucoup. Γεια σας.
Vous êtes Maria apparemment? Oui, c'est moi. Vous permettez que je vienne vous regarder faire? Difficile de faire plus artisanal, hein? C'est ça qui fait toute la valeur des cierges. Je passe sur toutes les ficelles, encore et encore, jusqu'à sentir avec mon doigt que j'ai atteint l'épaisseur souhaitée. C'est beaucoup de travail. Finalement, c'est vous qui approvisionnez toutes les églises de l'île? Je fournis 4 paroisses. Voilà ces bougies, je vous les donne en cadeau. Ça vous fera un souvenir. Merci Maria, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et dès que j'allumerai une bougie chez moi, je penserai à vous. Yassas. Yass. À quelques encablures d'Hydra, l'île de Spetses est réputée pour son caractère marin. Alors, quel que soit le temps, pas question pour les enfants de l'école de voile de rester à la maison. C'est un vent parfait pour entraîner les enfants. Attends, attends, arrête-toi, arrête-toi. Regarde ça. Il faut le mettre vers le haut. Tu fais quoi là? Réveille-toi. Tu ne vois pas ce qui se passe? Va vers là-bas, navigue vers là-bas. C'est une méthode d'entraînement à l'ancienne. Je ne suis pas un de ces jeunes qui vous enseignent poliment. À mon époque, les marins qui nous apprenaient à naviguer étaient vraiment des durs. L'apprentissage à la dure, les enfants de Spetses devront s'y faire. Car pour eux, naviguer est un passage obligé. Une façon aussi de s'ouvrir de nouveaux horizons. C'est très important de savoir naviguer. On en a toujours besoin ici, pour aller sur le continent par exemple. Et l'été, c'est une super activité. Tous les parents de ces enfants travaillent avec la mer. Ils sont pêcheurs, travaillent sur de gros porte-containers, des cargos ou sont taxis. Tout le monde travaille en mer. Et bien sûr, les enfants veulent suivre ça et travailler en mer eux aussi. À Spetses, les marins sont rois. L'île est le repère de riches familles d'armateurs. Mais sur le port, ce qui fait la fierté de ses habitants, ce sont ses caïques, des voiliers en bois made in Spetses. Et pour s'y retrouver au milieu de cette flotte, mieux vaut demander conseil à Pantelis. Là-bas, parmi tous ceux que l'on voit sur l'eau, il y en a un qu'on a construit il y a 2 ans, celui-là il y a 5 ans, celui-là est de 1985 et l'autre de 1990. Construire ces pièces uniques demande 1 an de travail à Pantelis. Car dans son atelier, tout est fait à la main. Mon père a créé ce chantier. Et à partir de 6 ou 7 ans, je passais tout mon temps au chantier. Au bout d'un moment, on a fini par avoir envie de faire la même chose. Dans son atelier, Pantelis perpétue un savoir-faire unique. Depuis plus de 3 siècles, les chantiers ont fait de Spetses une place forte de la construction navale au cœur de la Méditerranée. L'île était l'un des rares endroits où l'on pouvait trouver des pins. Ça a été essentiel pour le bois. Vous voyez là-bas, toutes les routes sur le bord de mer, eh bien, autrefois, c'était des ateliers de construction de bateaux. Les voiliers de Spetses ont fait l'histoire de l'île. Mais ses habitants ne sont pas prêts à les faire entrer au musée. Dès qu'il en a l'occasion, Argyris met les voiles et fait prendre l'air à son bijou. Lâche. Lâche tout. Moving now. Le Saint-Georges, un tré-entrée de 9,20 m. Une copie conforme des voiliers qui voguaient ici il y a 200 ans. Une pièce unique, qu'Argyris a dû apprendre à dompter. En théorie, cela fonctionne comme pour les voiliers classiques. La seule différence, c'est qu'on a cette pièce de bois oblique qu'on appelle le piki.
et qui tend la voile d'une manière différente. Être sur l'eau, ça te nourrit tellement que tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit d'autre. Tu n'as pas envie de rester chez toi à te reposer. Tu veux être ici pour pouvoir entendre la mer. Tu veux pouvoir te dire d'où vient le vent, qu'est-ce qu'il faut que je tire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Tout ça me fait du bien. J'aime profondément être ici. Les voiles de Spetses ne sont pas prêtes de disparaître du paysage. Elles feront encore longtemps la fierté des habitants de l'île. Yorgos, je te retrouve. Tu veux que je t'aide? Un petit coup de main? Oui, je veux bien. Alors le matin, ce sont les valises et en début d'après-midi, ce sont les écuailles. La livraison de course. Ces produits viennent d'Hermionie, dans le Péloponnèse. Ok, le port en face alors. Yes. Vous sur l'autre. Bravo. Et sur le côté. Okay. Comment ça s'organise une journée pour toi ici? Le ferry apporte des marchandises pour des magasins, pour des particuliers, pour tout le monde. Il vient chaque mercredi, chaque week-end. Et nous, on doit livrer. Tout ça se fait avec les animaux. C'est un métier qu'on fait de père en fils. Comment tu es venu à faire ce métier de muletier? Moi, j'ai commencé avec mon oncle. Au lieu d'aller à l'école, je faisais l'école buissonnière. Et j'allais rejoindre mon oncle pour l'aider à décharger les affaires. Ça m'a plu depuis tout petit. Je fais maintenant ce travail depuis 15 ans. Et ça me plaît vraiment. Ah, dis donc, t'as intérêt à les bichonner, tes mules, hein, parce qu'elles font des ascensions, là. C'est l'Alpe d'Huez, hein. Ouais, c'est très difficile. Faut les aimer et prendre soin d'elles, car ce ne sont que des petits escaliers. Combien de personnes vivent ici, dans le village? On n'est pas très nombreux. Ici, on est à peu près 2500 habitants. Et on vit tous du tourisme. Tout le monde se connaît. On est une grande famille. D'accord. Et voici la boutique qu'on doit livrer. Ça marche. Ça va marcher. Giga ! Calmera ! Monsieur le directeur. Calmera. On vous met ça devant. On met ça devant. Super, c'est vraiment sympa. T'es top. Bonne association. Je vais faire un petit peu le curieux, mais la course qu'on vient de faire, par exemple, combien vous allez lui payer ? Attends, c'est combien déjà? Il me semble que c'est 6 euros. Le prix varie selon les kilos portés par l'animal. Il y a une différence entre 20 kilos et 100 kilos. Ça, c'est du bois pour les toitures. Et ça, c'est un frigo. Génial! Passez, passez! Il y a quand même beaucoup, beaucoup de trafic, hein. Pour l'hydra. Dans l'hydra, c'est incroyable. Pour l'hydra. Hein, il y a presque des mouchons. Tiens, voilà mon oncle. Ah, enchanté. On va prendre un café? Allez, c'est moi qui vous invite. Allez. Ça, c'est de la bonne moustache, ça. C'est mon ami Yanis. Je peux? Très bel ouvrage. Très, très bel ouvrage. Moustaki, pas Moustaki, Moustaki. C'est bizarre parce qu'en France, on a un chanteur qui s'appelait Georges Moustaki. Moustaki. Et toi, Moustaki. Tu t'appelles Georges, mais tu n'as pas non la moustache. Moustaki. Non, Moustaki. Ça va pas. Ça va pas. Voilà mon père et mon oncle, Tassos. Il y a ça, t'es enchanté? Vous jouez à quoi, là? C'est un backgammon? Comment vous appelez ça? C'est le tavli. De là-bas et de ici. Tous les Grecs jouent au tavli. Tavli et café. On se détend et on se raconte des histoires. Toi, tu joues également à ça? Ah oui, je suis un champion. Est-ce qu'il t'arrive de temps en temps de quitter Hydra, d'aller sur le continent ou même de voyager à l'étranger? Pour tout te dire,
Ici, à Hydra, j'ai rencontré une fille. Et on est parti vivre à New York. Ça a dû te faire un sacré choc, hein, la circulation à cette ville gigantesque. Quand je suis descendu de l'avion et que j'ai vu tout ça, j'ai dit « Waouh !» Je regardais tout autour de moi. Des grands immeubles, des routes différentes, tout différent. J'en perdais mes mots. New York, c'est très beau, évidemment, mais un endroit comme Hydra, il n'y en a pas d'autre. Alors quand je suis revenu, je me suis dit « Voilà, c'est ici ma maison. C'est ici la Grèce. Point final. » Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir partagé ton ville, ton métier, l'atmosphère. Merci, messieurs. Bonne partie. Hein, amis. Prenez soin de vous. Encore merci. Yassas. Pour surmonter la crise qui les frappe, les Grecs ont su s'adapter et de plus en plus d'habitants cumulent plusieurs activités. C'est le cas de Marco. Il est bateau-taxi et après le travail, il prend une autre embarcation pour pêcher de quoi remplir ses casseroles. Ça, ce sont des poissons pour préparer le cacavia. La soupe, quoi. Des îlots, c'est cela. Allez, il faut que je jette d'autres hameçons maintenant. Je dois pêcher, sinon on ne mangera jamais. Allez, c'est parti. Car aujourd'hui, Marco n'est pas tout seul sur l'eau. Tout le village est venu faire son marché. Lui aussi, il habite ici et il pêche les mêmes poissons que moi. C'est sûr que face aux difficultés, tout le monde essaye de sortir une assiette de nourriture en plus pour la maison. L'autre là-bas, il est en train de pêcher des poulpes. T'en as attrapé combien ? Montre-nous tes prises. Oh, superbe, bravo mon pote. Je me sens super bien. Quand je vois ce paysage, je me dis que j'ai de la chance. C'est un sentiment incroyable. Pour faire face aux difficultés, de la mer Égée jusqu'aux montagnes du Péloponnèse, il faut parfois faire preuve d'adaptation. Dimitri est berger. Voilà 20 ans qu'il guide ses bêtes dans les montagnes. Ces moutons, c'est une race locale. Ce sont les seuls à tenir le coup dans cet environnement. Dans ces montagnes, Dimitri a pourtant réussi à introduire une nouvelle espèce. Depuis quelque temps, les touristes ont fait leur apparition sur l'alpage. Contre quelques euros, le berger leur fait découvrir les secrets de ces montagnes. Ça, c'est du laurier. Ce bout-là, sentez-le un peu, ça sent fort. Il faut que vous le frottiez et ensuite l'odeur sera encore plus forte. On l'utilise dans la fasolada, dans les haricots. Ça donne beaucoup de goût à la cuisine. Je vois que les touristes que je guide s'intéressent vraiment à ce que je leur raconte sur les plantes, sur la montagne. En général, ils repartent très satisfaits de leur balade. Ça, ça me fait chaud au cœur, ça m'emplit de joie. Du côté de la capitale, Athènes, un groupe de jeunes a décidé de mettre ses forces en commun pour organiser la résistance. Il y a de la tomate, il y a de la nette. On fait une salade, tu penses ? Je vous présente Dina et voilà Ilia. Ce sont deux des cinq employés qui travaillent ici dans notre restaurant coopératif. Dans leur ancienne vie, ils étaient diplômés en sciences, en archéologie ou en histoire. Mais face au chômage, ils ont décidé d'aller de l'avant. Au début de l'aventure, on était six à avoir étudié des choses complètement différentes. À la fin de nos études, on est resté sans emploi, alors on a décidé de faire quelque chose en commun. La cuisine, c'était notre hobby. On en a fait notre boulot. Aujourd'hui, ils sont leurs propres patrons et l'expérience est plutôt réussie. On rigole beaucoup.
C'est bon pour se détendre, même s'ils sont énervants parfois. Il y a beaucoup de tentatives de ce genre dans le pays, que ce soit dans le domaine des cafés, dans le domaine de la restauration. C'est une porte de sortie. Et le but, c'est qu'on soit soudés. Tout ça fait qu'on va s'en sortir. J'en suis sûre. L'acropole est toujours en réflexion. Il y a 2 ans, j'étais venu, il était déjà en travaux. Les archéologues prennent du temps pour le restaurer, pour être sûr de restaurer les sculptures au mieux. Donc il faut que je revienne à nouveau dans 2 ans, alors. Le mieux, c'est de revenir tous les ans. Ici, c'est le stade olympique de Kalimarmaro, où ont eu lieu les premiers Jeux olympiques modernes, en 1896. C'est le 2e endroit le plus connu d'Athènes après l'Acropole. Alors, quoi de neuf? Tu as parlé avec l'entrepôt? Oui, je leur ai parlé. Mais la livraison va partir demain, tout va bien. Bienvenue. Bien ça, les garçons. Salut. Ça va? Ça va, ouais. Oui, bien toi. Bien. Alors, qui est Critonas. Critonas. Stavros, c'est toi. Jérômis. Ici en Grèce, ça finit en haut, sans A, sans I. On va aller acheter quelques produits pour te cuisiner de bons petits plats grecs. Ok. Je pense que ça va te plaire. Ok. Vous, quand vous achetez vos produits pour les revendre en France, qui dans l'équipe s'occupe justement d'aller auprès des producteurs, parce que vous travaillez comme ça, auprès des producteurs? Oui, directement de producteurs. C'est moi qui m'en occupe. Mais on va directement chez les producteurs pour voir les produits, les goûter, les choisir, avant de les envoyer en France. D'accord. Moi, je tiens l'épicerie fine à Paris. Et heureusement que Stavros est là, parce que sinon, on ne pourrait pas avoir une réactivité si forte. Tu veux quelques fraises? Oui, magnifique ça. Je ne résiste pas, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Vas-y, prends. Ça. À quoi ça sert? Quand on est trop fatigué, on sonne la cloche. Ah. C'est sûr que ça réveille bien. Je vais aller me racheter une paire d'oreilles, moi, je reviens. Et là, on va aller au marché du poisson. Oula, grosse sardine, là. Très grosse sardine. C'est quoi, c'est un requin? Skilob, ça, alors. C'est un requin pas très méchant, quoi. Il a une drôle de couleur. Attention! Ici, c'est le lieu à Athènes où se rencontrent des Turcs, des Grecs et des Arabes. C'est un endroit très multiculturel. Ça veut dire quoi? Rien. Ah. C'est son mot. Dégagez. Ignos, tiens. Pas moi qui l'ai dit. Un cornet dans cornet. C'est bon, c'est pas mal. Est-ce que la vie est chère de manière générale à Athènes, puisque souvent dans les grandes villes c'est plus cher qu'ailleurs, tu as pu le remarquer à Paris? Oui. Mais est-ce que ça reste abordable? Pas vraiment, hein, parce que les revenus sont pas non plus très hauts, les SMIC les très bas. C'est combien le SMIC ici? C'est à peu près 500 euros. C'est pas cher pour nous qu'on vit à l'étranger, qu'on vit à Paris, mais pour les locaux, c'est équilibré. D'accord.
là, l'acropole avec les arbres et les fleurs violettes là. C'est super beau en plus. Venez voir ma très bonne terre pour les fleurs, ici le fleuriste. Comment vous êtes arrivés tous les deux à travailler dans la gastronomie? C'est votre formation? Moi, c'était mon métier de base, en fait. Je suis chef pâtissier. D'accord. Je suis resté 10 ans auprès de Pierre Hermé, de la maison Pierre Hermé. Ah oui. J'étais son chef pâtissier. Oh, quand même. Référence dans la pâtisserie française. Voilà. Oui, je suis devenu chef de projet international et j'ai pris la décision de lancer avec Stavros Kilikio, l'aventure de Kilikio, l'épicerie fine. Et toi alors, t'étais dans la pâtisserie? Moi, aucun rapport avec la cuisine. Ah oui. Avant, j'étais comédien. Et j'ai connu des difficultés à cause de la crise et aussi du grand nombre de comédiens en Grèce. Mais j'ai toujours été passionné par la gastronomie et la cuisine. Et Christonas a eu l'idée de créer l'épicerie. Et je dois dire que c'est tombé pile au bon moment pour moi. Voici la place Monastiraki. Ici, en un seul coup d'œil, tu peux voir une très grande partie de l'histoire grecque. Avec là-haut l'Acropole, qui date de la Grèce antique. Là, c'est une mosquée ottomane, aujourd'hui annexe du musée folklorique d'Athènes. Et juste ici, il y a une église byzantine, du XIe siècle. C'est génial, parce qu'on pourrait presque faire une photographie. Il y a, on va dire, 4000 ans d'histoire là, qui sont là juste en une seule image. C'est très rare. Ça permet de visiter Athènes de manière très rapide en même temps. En Grèce, on trouve partout des traces du glorieux passé antique. Et dans les rues d'Athènes, certains semblent déterminés à le faire revivre. Je vais faire un saut dans le passé, au temps de la Grèce antique. La Grèce antique, c'était aussi la guerre. Des luttes à mort entre les cités rivales et leurs farouches guerriers. Pardon. S'il y a un cavalier, on se met en garde et je coupe. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à pied, j'attaque, je tire en l'attrapant par la nuque. Chaque semaine, ces guerriers grecs en herbe apprennent les techniques de combat de leurs aïeux. Et ici, chaque geste a sa signification. Tu arrives et tu plantes ton arme. En ce qui concerne les combats de la Grèce antique, nous cherchons beaucoup d'archives et nous étudions les céramiques et les écrits romains. Et c'est sur la base de ces éléments que les enseignants de ces disciplines, que ce soit pour les combats, l'escrime ou la lutte grecque, peuvent imaginer et mettre en mouvement les combats de l'Antiquité. Tu vas parer bien haut. Comme ça ? Oui, oui, oui. Pour les élèves, cet art martial antique est loin d'être un simple folklore. Pendant 2 heures, ils vont aussi verser quelques gouttes de sueur. Ça veut dire qu'on fait marcher notre corps et notre esprit. Et justement, c'est ça la philosophie antique. Donc ça me plaît parce qu'on y retrouve les racines de notre civilisation, et ça c'est formidable. Martial pour les uns, l'Antiquité grecque inspire à d'autres une vision plus harmonique. Ça, c'est la lyre antique d'Apollon. Selon le mythe, c'est Hermès qui l'a offerte à Apollon pour apaiser sa colère. En se heurtant à une carapace de tortue et en entendant l'acoustique, il a eu l'idée de construire une lyre avec cette carapace pour la lui offrir. Au début, ça a été une simple curiosité. Quel son un tel instrument pouvait-il produire? Qu'écoutaient ces gens-là, cette civilisation qui a réussi tant de grandes choses?
La pureté du son des anciens, voilà 7 ans que Dimitri cherche à la retrouver. Au point de faire de son jardin un atelier de luthier antique. Quand j'ai fabriqué la première lyre, j'ai été tellement charmé que j'ai ressenti un bonheur extrême. Et tout de suite après, je suis tombé dans une profonde mélancolie. Parce que je n'avais personne avec qui partager cette joie. Alors j'ai voulu éterniser ce moment et le partager avec les autres. Cette passion, Dimitri peut la partager. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec d'autres amateurs de la Grèce antique pour un voyage dans le temps. Nous sommes juste sous l'acropole, à la place du temple de Thésée, tout près de l'ancienne agora. Et je vais interpréter un extrait du chant d'Apollon d'Athènes. Il date de 1032 avant Jésus-Christ. Pendant une demi-heure, Dimitri et ses amis danseurs vont remettre au goût du jour les plus grands succès des Athéniens de l'époque antique. Et le spectacle fait toujours recette. C'est très bien. Très étonnant. C'est important d'avoir pu conserver après tout ce temps ce genre de tradition. C'est un rôle que quelqu'un devait jouer et j'espère que j'ai rempli ma mission. Que les gens ont pu se relaxer et que ça a ranimé chez eux des souvenirs très anciens. Il n'y a jamais eu de rupture dans notre civilisation. Et aujourd'hui encore, beaucoup de nos traditions nous viennent directement de cette époque antique. Fiers de leurs racines, les Grecs revendiquent aujourd'hui encore les heures glorieuses de leur passé antique. Déranger mon ami Panayotis. Ah, c'est lui qui te fait une petite place dans sa taverne ? Mais oui. Salut Panayotis. Eh, hey, bonjour. Comment vas-tu ? Jérôme. Nos victuailles. Prenez toute la place et le temps que vous voulez. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de faire ? On va faire le daco crétois avec un caviar d'aubergine et des herbes qu'on vient d'acheter et des petits calamars grillés. Waouh. Allez. Est-ce que les hommes, de manière générale, dans les familles grecques, cuisinent ou c'est plutôt maman qui cuisine et papa qui regarde la télé ? Oui, à la base, on est une société matriarcale. Donc généralement, la maman s'occupe de tout. Mais il y a une tendance à cuisiner de la part des hommes. Regarde par exemple, Panayotis cuisine chez lui aussi. N'est-ce pas ? Bien sûr, il ne manquerait plus que ça. Ah oui. Voilà, ça c'est le miel. Ouais. Si ça t'intéresse, on peut aller voir après notre apiculteur Platon. Ouais, c'est hyper bon. Ça a l'air bien. Hop. Le jus de citron un peu. Alors, tu fais une petite vinaigrette. Je fais une petite sauce avec la pâte de sésame, jus de citron, un tout petit peu de miel. Ça, ce sont les produits que tu vends oui, dans ta boutique. Tout à fait. Ah, génial. Tu mets sa perruque ou pas ? Tu mets sa perruque. Oui. Voilà, perruqué. Ah. Ok. Bien, bien, bien. À l'abordage. C'est très frais, c'est vraiment très bon. Les repas en Grèce sont toujours très copieux. Il y a beaucoup de mezzé, des petites entrées qu'on partage. C'est le côté générosité de Grec, de... d'avoir toujours des choses à la table.
Comme ça, ils sont sûrs qu'il ne va pas en manquer, qu'ils vont encore partager. Et puis, il faut dire qu'on a toujours envie d'avoir un sentiment de fête sur notre table. Et on aime bien faire tourner les assiettes. En Grèce, il y a une particularité avec les tavernes aussi. Les gens peuvent arriver avec un dessert, leur bouteille de chez eux, comme si c'était une extension de leur maison. Ils reçoivent les amis à la taverne. Oui, c'est vrai. On peut même venir avec un poisson et demander à ce qu'il soit préparé. Un vrai plaisir, hein. Je me régale. L'apiculteur où on va là, il est loin d'Athènes. Il est à une vingtaine de minutes. Mais tu vas voir, la route est au bord de la mer, tu vas aimer. Mais ça fait combien de temps alors que vous vendez les produits grecs à Paris maintenant? Ça fait un an et demi. Mais c'est vrai que toutes les recherches qu'on a faites, surtout Stavros en Grèce, ça fait plus que 3 ans. Mmh. Ouais, il faut référencer tous les producteurs, aller les chercher. C'est un travail de fourmi que vous avez fourni à moi. C'était vite fait. La donna ? La donna ! Salut les amis. Ça va ? Très bien, et toi ? Jérôme, notre bonjour. Ami. Platonas. Platon. C'est marrant, je le voyais plus vieux. C'est vrai que j'ai un nom qui ne date pas d'hier. En tout cas, bienvenue. Venez, les gars. Après vous. Merci. Pas mal. On sent le miel immédiatement. Bienvenue chez moi. Vous voulez goûter quelque chose ? Oui, qu'est-ce que tu as de nouveau ? Là, c'est un miel de thym de la région de Galaxidi. Il a une concentration en thym de 82%. C'est un miel très riche en vitamines. Et il fait du bien à l'estomac. Merveilleux. J'adore. Bravo. Platonas, toi, tu produis différentes variétés de miel. Tes miels, ils viennent de juste de la région ou de plus loin ? Oui, selon les saisons, nous emmenons les ruches à différents endroits en Grèce. C'est une récolte nomade. Comment ça s'est passé la première fois où ils sont venus te voir pour te proposer de vendre tes produits en France ? Comment tu as réagi ? J'étais très content, surtout d'avoir l'avis de Kritonas, car il a un palais très fin, surtout pour le sucré. Donc son opinion a été déterminante pour moi et pour mon travail. D'ailleurs, voici le miel de bruyère, qui est très adapté aux problèmes de cholestérol et très riche en fer. Concentré, caramélisé, naturellement. Il est incroyable. Il nous en faut absolument pour la prochaine commande. Ouais, c'est une crème de miel, oui. Je préfère quand même le miel de thym. Ouais, c'est trop fort là, je trouve. Dis-moi, Platonas, tu peux nous préparer la bruyère, l'arbousier et le thym ? Comme ça, ça pourra partir la semaine prochaine, par exemple. Ok. Merci, Platonas, bravo pour le miel. Et j'irai à la boutique à Paris, parce que là, ça va être compliqué dans les bagages. J'irai directement l'acheter chez lui. Salut, merci. Ciao. Salut, les gars. Entre Athènes et le Péloponnèse, il est un lieu dont les Grecs sont très fiers. Le canal de Corinthe, un chenal de 6 km de long, encadré d'impressionnantes falaises. Un passage plus que centenaire emprunté par les plaisanciers ou par les bateaux de commerce. Au fil de l'eau, chronique du canal de Corinthe. Emprunter le canal pour la première fois se révèle toujours être une expérience unique. Le vent souffle vraiment fort, on le sent bien, c'est incroyable. C'est l'effet tunnel. Le vent me pousse, il vient de la gauche. Je suis obligé de bien contrôler que le bateau ne s'approche pas trop de la paroi droite. C'est fou qu'on ait réussi à creuser un canal dans cet isthme. Je trouve ça incroyable qu'on l'ait construit au 19e siècle.
Alors qu'aujourd'hui, en Grèce, on n'arrive même pas à finir un tunnel d'autoroute ou de train. Persélisme de Corinthe a toujours été un rêve pour les Grecs. Creusé en 1882, les travaux avaient auparavant été lancés puis abandonnés par Néron. Mais aujourd'hui, le monument est le terrain de jeu d'aventuriers bien de notre époque. C'est bientôt le grand moment. Le paysage te donne énormément d'énergie. On en a besoin pour faire le grand saut. Ça va être une super expérience. Donc, quand je te dis d'y aller, tu n'hésites pas. Au go, tu regardes. Tu fixes le pont qui est en face de toi et tu sautes comme si tu voulais l'attraper. Le pont là-bas, hein? Ok. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sous les yeux de ces étonnants oiseaux, le trafic bat maintenant son plein. L'objectif du canal, c'est de favoriser le commerce dans la région. Chaque année, plus de 11 000 navires s'y feraient un passage. Aider les plus gros d'entre eux, c'est le travail du remorqueur. Nous nous plaçons en parallèle à ce bateau et doucement nous allons aller vers l'avant pour récupérer les cordes préparées par les marins qui sont sur le pont. En choisissant d'emprunter le canal, ce navire de marchandises s'évite un détour de 2 jours autour du Péloponnèse. Mais avant ça, il devra s'engager dans ce goulet de seulement 24 mètres de large. Lorsqu'on est dans le canal, on contrôle toujours les bateaux qui sont derrière nous pour voir s'ils sont bien orientés. On est à l'écoute de la VHF au cas où le capitaine nous signalerait quelque chose. Et surtout, on regarde les cordes. Elles doivent être bien souples et le bateau doit aller bien droit. Moi, ça fait presque 15 ans que je travaille dans ce canal. Ça commence à faire un bail. À chaque fois que j'y rentre, c'est comme si j'y entrais pour la première fois. Et le travail change toujours, ce n'est pas routinier. C'est vraiment magnifique et je remercie Dieu de pouvoir travailler ici. Entre mer Égée et mer Ionienne, le canal de Corinthe est un endroit unique, une œuvre chère aux yeux des Grecs. The pendulum swings, and we disconnect again. It's never worth the wait. I will never let you go. Tire-le bien. On l'aplatit bien. Vous en avez collé combien déjà? On ne sait plus. Oh, bonjour Jérôme, bienvenue. Oui, oui, et toi, la santé? Bien, merci. Bienvenue Jérôme. Ça va, Nicolas? Joyeuse Pâques à toi. Oui, merci. On est en plein préparatif avec les enfants. Ah, vous faites des lampions comme ceux qui sont accrochés dans le village?
Oui, et là, on prépare les lanternes qu'on va lâcher dans le ciel ce soir. Bon, bah, je vais vous donner un coup de main. Hein. Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que c'est des lampions qui sont géants, alors, que vous faites là. Oui, c'est très grand. On étale bien la colle pour que l'air ne puisse pas rentrer. Bravo, Jérôme. Ça va, jusque-là, je m'en sors. Et donc, il va y avoir un lâcher de lampions ce soir, alors. Oui, c'est ça. On va en lâcher presque 500 dans le ciel. Il faut être au moins 8 là, pour faire tout ça. Non, non, pas pour ça. Tu sais, ici, dans ce village, on a la chance de faire beaucoup d'enfants. C'est notre joie. Tu veux dire que vous avez fait 5 enfants pour avoir de la main-d'œuvre à Pâques? Non. Non, pas pour ça. Mais ça rend bien service. Maintenant, la première partie de la lanterne est prête. On va coller les deux parties ensemble. Fais attention à ton côté, Vassilis. La meilleure façon pour pas que ça s'envole, hein, c'est que je fasse une petite sieste, moi. C'est ça le meilleur truc, comme ça, ça s'envole pas, et puis je joins l'utile à l'agréable, tu vois, c'est pas mal. Ah, tu me prends en photo, toi, coquine. Vous me dites, hein, quand c'est bon. Hein. Il faut le plier d'abord. Attends, je vais le recoller là-bas, ça va pas. Ah bah, le bronzage, non, quand même. Et voilà, on a presque terminé, Jérôme. Allez. Waouh. Maintenant, on va faire rentrer l'air chaud pour que ça gonfle. Et puis, on va placer le cerceau. On va coudre le fil avec précision. Ils font ça sérieusement, les enfants, c'est chouette. Et en dehors du côté ludique, Pâques, c'est quoi, en vérité, comme fête? Ça symbolise la renaissance du Christ. Oui, et sa résurrection aussi. Bravo, dis donc, tu connais bien alors. Je crois qu'ici, en Grèce, la religion est enseignée à l'école. Oui, tout est enseigné. Et tu sais, 90% des Grecs sont orthodoxes. Ça fait beaucoup. C'est une plus immense montgolfière, parce que vous êtes en train de fabriquer, on va pouvoir s'envoler nous-mêmes. Oui, ça paraît immense, alors qu'une fois dans le ciel, c'est minuscule. Une vraie promenade dans les étoiles. En Grèce, au cœur de chaque village, il y a une église. Dans chaque église, il y a un pope. Un personnage central, le garant de l'orthodoxie. Mais à Pâques, même lorsque l'on est pope, il faut mettre la main à la pâte. Tout doit être prêt pour la résurrection du Christ. Alors le pope Adonis ne laisse rien au hasard. Placez-le ici. C'est bien. Avec lui, nous allons vivre Pâques au rythme d'un pop. Pâques est la fête la plus importante pour les Grecs. Ce ruban est blanc, car c'est la couleur de la pureté, et celui-là, rouge, c'est la couleur de la résurrection. C'est pour cela que nous décorons toute l'église avec ces couleurs, comme vous le voyez un peu partout. Notre décoration doit être à la hauteur de cette fête. Bien sûr, parfois c'est un peu compliqué, mais bon, on s'en sort toujours. Heureusement, Pope Adonis n'est pas tout seul, car dans son village, il ne manque pas de fans. Si le père part du village, nous sommes tous perdus. Depuis qu'il est là, il nous a appris beaucoup de belles choses. Son message de fraternité et son grand cœur nous inspirent. En Grèce, les popes sont payés par l'État. À Panariti, le père Adonis fait partie du paysage. Mais lorsqu'on est nommé dans un village, on ne débarque pas en terrain conquis. Ça fait 5 ans que je suis pope dans ce village. Il y a 700 habitants ici. Pas mal de jeunes. Mais c'est la campagne. Alors on peut dire que les gens sont particuliers. Il faut s'adapter aux mentalités et trouver un équilibre. Salut Yanis, tu m'emmènes? Salut les filles. Tu viens? Non, c'est bon, Phil, merci. Pour séduire ses administrés, le pop ne ménage pas ses efforts. Salut tout le monde. Mets-moi un verre comme ça. Et après, je dois partir. J'ai une messe à préparer.
C'est au bar de la place qu'il espère toucher un nouveau public. Salut. Alors les jeunes, vous allez danser? Je danserai si toi aussi tu danses. Ils vont danser après 3 bouteilles. Dans le monde des pop, Adonis détonne, car ses méthodes ne sont pas si orthodoxes. Ça ne rentre pas dans le domaine d'intervention classique d'un pop. Il faut savoir être proche des gens pour les toucher, et c'est à travers ce genre de petits moments quotidiens, prendre un café, une bière, que nous pouvons discuter et parvenir à des résultats que nous n'aurons jamais en restant à l'église. Je crois qu'il y a très peu de popes comme le père Adonis. C'est parce qu'il est jeune, comme nous. On a à peu près les mêmes centres d'intérêt. On ne pourrait pas partager ça avec un pope de 50 ans de plus que nous. Joyeuse Pâques! Le père Adonis va devoir tenir la distance. En marge de leur office, les pop ont des obligations plus matérielles. Chez eux aussi, le repas de Pâques, c'est sacré. On va faire la prière. En Grèce, un pop doit aussi gérer sa vie de famille. Voilà Dimitria, mon épouse. Ça, c'est Yorgos, mon premier fils. Quel âge as-tu, toi? Il a 5 ans et demi. Et là, c'est la petite Elpiniki. Elle a 5 mois et demi. Le plus difficile, ce sont les jours qui précèdent Pâques, le carême, et surtout la semaine sainte. Le matin et l'après-midi, je suis à l'église. Je reste très peu de temps à la maison. Et là, c'est la femme du pop qui doit se débrouiller toute seule. Je n'aurais jamais envisagé d'épouser un pop. Mais je suis tombée amoureuse du père Adonis et je me suis mariée. Ça ne me dérange pas qu'il soit pop, car il aime ce qu'il fait. Et on arrive à trouver le bon équilibre. À Pâques, cette fois encore, les Grecs pourront compter sur leur pop, le personnage clé de cette fête tant attendue. Ces traditions des petites lanternes et des lampions volants, ça se pratique partout en Grèce ou seulement dans le Péloponnèse? Non, c'est juste ici, à Léonidio. Et maintenant, ça commence à se propager aux alentours. Mais c'est vraiment typique de notre village. Bah, c'est une chouette tradition, il faudrait que plus de villages le fassent, non? Non, c'est juste à nous. C'est le charme de Léonidio. Ouais, d'accord, ok. Il y a beaucoup de monde, hein? Tu sais, en Grèce, Pâques, c'est la plus grande fête du christianisme avec tous ses rituels et ses traditions. Et au-delà du religieux, l'ambiance est plus chaleureuse, c'est important pour nous. Que ce soit à l'église, ici, ou dans les maisons. Chacun a sa foi, mais c'est dans le partage. Et toi, Zoé, pourquoi tu aimes Pâques? Pourquoi t'aimes bien Pâques, toi? Parce qu'on casse les œufs. Il y a des pétards partout ici. Tiens-le très haut. Il faut le laisser chauffer un peu. Tiens-le bien. C'est bien chaud, ça va pas tarder. Ah, c'est magnifique. Il y en a encore qui sont partis, hein.
En tout cas, tu as fait du super boulot, hein. Notre lampion, il est parti là-haut, hein. C'est très beau de voir tout ça dans le ciel. La nuit, quand tout est noir et qu'il ne reste plus que les lanternes, c'est magique et l'ambiance est incroyable. Maintenant, on va aller retrouver nos amis. Ouais. En haut de la montagne. Ah oui, d'accord, je les vois. Ah ouais, c'est une belle paroi. Dimitris, on voit ton petit village là, magnifique. On s'est perdu dans la vallée. C'est ici que tu as grandi ? Oui, c'est mon village. Je me sens très fier d'avoir grandi dans un tel environnement. Et je ne changerai pour rien au monde. Il y a tout ici. Tiens, ça par exemple, c'est de l'origan. Papa, on en coupe un peu pour maman ? Maman, elle met ça dans la cuisine ? L'origan, il faut qu'il soit bien sec pour le couper. Tout simplement pour que tous les arômes ressortent. Là, c'est pas suffisamment sec, ma puce. Si tu le coupes maintenant, c'est comme cueillir une tomate verte. Yassas! Voilà. Calimera. Jérôme, enchanté. Donc là, il y a beaucoup de parois. C'est une pratique régulière dans la région, l'escalade? Le pays est absolument fantastique pour l'escalade. Tant il y a de rochers à découvrir. Donc pour les grimpeurs, il y a des Français qui viennent hein, aussi. Moi, je suis Suisse, mais il y a aussi des étrangers, des Allemands, des Autrichiens. Bon, si un Suisse valorise des petites montagnes comme ça, c'est que ça doit être pas mal. Ah oui, non, mais pour nous, c'est exceptionnel. Ouais. Hein. Il est bien mis, là ? Oui, oui, c'est bon. Ça va aller ? Non, t'as grossi depuis la dernière fois, hein ? Non, justement. Tu vois une fois que non. Ça, c'est bon. Il y a des prises à prendre ou il y a des choses où on va au pif ? Vous allez au pif ? D'accord, ça tombe bien. Je suis bien équipé au niveau pif, donc tout va bien. Bravo, Zoé, bravo. Pas évident, là. Pas changé de pied. Hein. Hey, ça a l'air d'aller, Jérôme. Je crois que j'ai la plus facile, non ? Ouais ! Bravo, Zoé. Des fois, le hasard fait bien les choses, hein. Tant mieux. Allez Zoé, c'est bien ma puce. Ciao, Zoé. Tu vas vite, dis donc. J'aimerais bien, regarde. Waouh, elle a pas peur, hein. Go down, down. Hold the rope, like this. Yeah, better. OK. Go back, little bit, figure, yeah. Yeah. Ah, cool. Sur le salon. Bravo! Merci. Alors, t'as aimé? Très chouette. Merci. Merci, les garçons. Merci beaucoup. Papa, on peut recommencer? Oui. Bien, alors avant de terminer mon voyage sur la sublime presqu'île de Monemvasia, au sud du Péloponnèse, je vous propose de prendre la direction de l'Asie. Nous allons nous rendre sur les montagnes, sur les sommets du Japon, pour retrouver notre documentaire « La route des cimes ». La réalisatrice Sybille Dorgeval a décidé de prendre de la hauteur pour essayer de mieux comprendre le peuple japonais. Un archipel volcanique, comme un dragon plongé dans les eaux dont seule la dorsale émergerait. Le Japon est ce pays de neige et de montagnes, habité par le feu. On connaît surtout ses plaines côtières surpeuplées. Mais pourtant, 70% du territoire est fait de ces hauteurs. Volcaniques, elles sont source d'énergie et aussi de danger. Sacrées, elles gardent les traditions et sont habitées par les dieux.
Je compte sur les montagnes pour me dévoiler un autre Japon, sauvage et méconnu. Avant de tenter à la fin de mon voyage, alors que le printemps chassera l'hiver, de gravir la plus sacrée, la plus mythique et la plus haute d'entre elles, le mont Fuji. Parti de Tokyo, je suis en chemin vers la chaîne volcanique du mont Adatara. Au-dessus de 300 mètres d'altitude, la neige est là pour rappeler que l'hiver n'est pas encore terminé. Je suis arrivé hier au lodge Numajiri Kogen, dans la région de Fukushima, où Junko Tabei, célèbre alpiniste japonaise, accueille aujourd'hui un groupe. Bonjour. Bienvenue. À 75 ans, Junko est encore une boule d'énergie, dotée d'un grand sens de l'organisation et de l'humour. Bonjour, tout le monde a des gants et des bonnets. Vous pouvez laisser vos paniers repas ici. Et ne vous inquiétez pas, personne ne va les piquer. On mangera dans cette cantine. Le premier groupe sera guidé par mon fils, Shinya Tabei, pour lequel je vais déposer un avis de recherche. Il a disparu, mais je vous le présenterai plus tard. En tout cas, il guidera le groupe 1. Junko Tabei n'est pas n'importe quel alpiniste. Elle a gravé son nom dans l'histoire en étant la première femme au monde à conquérir l'Everest en 1975. C'est le titre. Une équipe japonaise de femmes a atteint le sommet de l'Everest. Voyez, cela a fait la une du journal avec des photos de toutes les membres de l'équipe. Dans les années 60, il y avait très peu d'alpinistes femmes. Il y avait une pression sociale qui faisait que les femmes devaient s'occuper de la famille. Et les hommes travaillaient. C'était beaucoup plus tranché qu'aujourd'hui. Les hommes ne voulaient vraiment pas que les femmes pénètrent dans ce monde masculin. Un monde d'hommes que la japonaise issue d'une société réputée machiste a réussi à dominer de son sommet. Alors nous gravissons l'escalier pour remonter le temps. Junko m'amène dans le petit salon, gardien de sa mémoire. Un véritable cabinet de curiosité où sont gardés les souvenirs de ses expéditions. Cela montre à quel point on était pauvres quand on est parti au mont Everest. C'est un surgan que nous nous sommes fabriqués nous-mêmes avec des housses de voiture. Comme mon mari travaillait pour une entreprise d'automobile, il a pris des housses de tous ses collègues. Nous les avons découpées et cousues pour en faire des gants. Il s'agit d'un vrai souvenir. Surtout que personne aujourd'hui ne prendrait des surgans aussi fins que ça pour aller à l'Everest. L'Everest, où elle se hisse au niveau des plus grands, comme l'Italien Reinhold Messner. Je ne pense pas vraiment avoir changé après mon ascension à l'Everest. J'étais juste contente d'avoir atteint le sommet. Mais mon entourage a beaucoup changé. Ceux qui pensaient que c'était impossible pour les femmes ont fait une vraie volte-face. Ils me parlaient différemment. Ça m'a beaucoup surprise. Par son exploit, la jeune alpiniste a bousculé les traditions bien ancrées. Petit échauffement de groupe indispensable avant le départ pour la marche. Pourtant, rien d'extrême. Nous sommes loin d'être en Himalaya, malgré la neige et le froid. Alors je profite de la promenade pour faire connaissance avec certains des protagonistes. Moi, je viens d'un petit village appelé Okuma, de la préfecture de Fukushima. C'est là où se trouve la centrale nucléaire. Je travaillais dans mon jardin, derrière ma maison, quand les tremblements de terre nous ont secoués. Les secousses étaient tellement énormes que je me suis accroché à un arbre. Je craignais que le toit de ma maison ne soit arraché. Et le lendemain matin, les gens de la municipalité ont appelé par les haut-parleurs pour qu'on parte du village. Je pense que je n'y rentrerai plus. Depuis, à cause de tout ça, j'ai totalement perdu le contact avec la nature. J'ai perdu aussi l'occasion d'échanger avec les gens du village. Alors ce genre d'excursion est vraiment très important pour moi.
Le groupe de marche est en fait exclusivement constitué de personnes ayant dû fuir leur village à la suite de la catastrophe de Fukushima, déclenchée par un puissant séisme en 2011. Quand les tremblements de terre ont frappé le Japon en mars 2011, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Moi, je ne pouvais pas aller sur le terrain pour sauver des gens directement, comme ce que fait la force d'autodéfense. Mais par contre, marcher avec des réfugiés comme ça, je peux le faire. Donc j'ai parlé de cette idée aux gens dans les centres de refuge, qui l'ont trouvée excellente. C'est pour ça que j'ai commencé ces excursions. Les participants m'ont dit que ça leur faisait du bien de marcher dans la forêt, que ça leur donnait du courage. La montagne pour soigner l'âme. Junko sait à quel point les hauteurs peuvent offrir des ressources naturelles, mais aussi profondément spirituelles. Le groupe 1, rendez vos raquettes dans la baraque, s'il vous plaît. Alors elle partage avec d'autres les bienfaits que la montagne apporte. Je repars, gonflé de l'énergie puisée pendant la marche. Je retrouve cette force vitale dans les nombreuses rivières qui sillonnent ce Japon montagneux. Le pays abonde en eau grâce aux sources qui naissent de ces hauteurs. Elles irriguent les rizières et alimentent les villes des plaines. Dans une de ces vallées étroites, façonnées par un cours d'eau, se cache une maison traditionnelle au toit de chaume. C'est ici que se concocte une des boissons les plus fameuses du Japon. Le patron de l'entreprise familiale m'attend. Je suis désormais habitué aux salutations rituelles. Et de plus équipé d'un accessoire indispensable au Japon, la carte de visite. J'ai pris le coup de main, j'arrive même à dégainer plus vite que mon interlocuteur. Allons-y. Je ne suis plus étonné non plus par l'échauffement collectif qui apparemment précède au Japon toute activité. Chargé de fermentation, avez-vous des questions? Non, pas particulièrement. S'il n'y a rien, j'aimerais qu'on se mette au travail. C'est parti. C'est le début ce matin du long processus de transformation pour obtenir la boisson fermentée à base de riz. Il y a trois étapes dans la fermentation du saké. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est la première étape. On cuit le riz à la vapeur pendant une heure avant de le mettre dans les cuves. Notre région produisait beaucoup de riz à la fin du 19e siècle, à l'époque où la distillerie a été fondée. Les anciens se seraient demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre avec ce riz. Alors, en réponse à cette question, ils ont décidé de commencer à fabriquer du saké. Aliment de base des Japonais, le riz est ainsi consommé à toutes les sauces, en nourriture ou en boisson. Le riz qu'on est en train de cuire à la vapeur, c'est un riz spécial pour la production de saké, appelé sakamai. Les grains de riz normaux collent à la main si on les écrase. Mais ceux-ci, regardez bien, ils ne collent pas du tout. Du coup, l'effet de la fermentation est bien réparti sur chaque grain. C'est très important pour faire du saké de qualité. Et avec Tomohiko, on ne perd pas le rythme. Allons-y, on va à la source, juste derrière l'entrée, là où vous avez enlevé vos chaussures. Car pour faire du saké, une autre matière première est encore plus cruciale que le riz. La chose la plus importante pour les fabricants de saké, c'est la qualité de l'eau. On s'en sert à toutes les étapes de la fabrication. Une eau que Tomohiko me propose aussitôt de goûter. C'est une région abondante en eau, car nous sommes ici dans les montagnes. Alors il y a beaucoup de neige et de pluie qui tombent. Elles sont absorbées par la terre qui nous les rend. Mais le riz et l'eau ne seraient rien sans les dieux. Le shintoïsme est ancré dans la vie quotidienne.
Selon ses croyances animistes, il existe plus de 8 millions de dieux, les Kami, incarnés dans tous les éléments de la nature. Le saké et les dieux sont inséparables depuis toujours. Les prêtres n'exécutent jamais un rituel sans avoir du saké. Les rizières ont un dieu spécifique, de même pour l'eau. C'est grâce à ces dieux qu'est produit le riz. Et nous, c'est à partir de ce riz que nous produisons du saké. Alors, nous rendons ce saké aux dieux en les remerciant. Et c'est la fin du cycle. Je laisse les dieux déguster leur saké. Comme je reprends le volant, il m'est hélas interdit de les accompagner. Je roule au cœur du pays de neige. Une appellation officielle au Japon pour ces zones où la neige, très abondante l'hiver, gêne la vie des habitants et leur travail. Mais la neige peut être aussi une ressource précieuse. Je suis attendu dans une maison et je me conforme à un autre rituel immuable au Japon, le passage aux chaussons. Je suis mené au bout d'un couloir vers une étrange marionnette. C'est le patron de la petite entreprise de tissage. Bonjour. Bonjour. C'est une étape de fabrication de notre étoffe. On marche le tissu pour que les mailles se resserrent. Il faut que les mailles soient vraiment petites. C'est une technique de fabrication très traditionnelle, au point d'avoir été classée comme bien culturel immatériel du Japon. C'est l'une des origines du tissage japonais. Mais malgré tout, la tradition fait parfois quelques concessions à la modernité. On va passer à la prochaine étape, celle du Yukizarashi. On va partir dans les montagnes. On le fait chaque année pendant la saison des neiges. Le Yukizarashi, intrigante étape du tissage qui doit se passer dans les montagnes. Nous nous dirigeons vers les hauteurs pour trouver l'endroit idéal avec suffisamment de neige. Le vent commence à souffler. Quand la chaleur du soleil fait fondre la neige, elle s'évapore. La vapeur passe par les mailles du tissu. Il y a des réactions chimiques qui se produisent et elles blanchissent le tissu. Mets de la neige sur le tissu pour ne pas qu'il s'envole. Pendant plusieurs après-midi, le tissu est exposé pour cette étape ultime du blanchiment par la neige. Après des longs mois de tissage pendant l'hiver, la sortie des tissus sous le soleil réjouissait autrefois les habitants. Il était le signe de l'arrivée du printemps dans le pays de neige. On s'embrasse ? Ouais, la volonté. Ça va ? Bienvenue. Très content d'être ici à Monemacea.
J'en ai tellement entendu parler de ce rocher, la citadelle. En fait, on dit toujours le rocher de Monemvasia. Nous sommes une presqu'île. On est rattaché, on est détaché du continent sur 5 mètres. Mmh. Ah, relié par le pont. Oui, oui. D'accord. On y va. Alors, en fait, nous, monopatie. Ça veut dire quoi, monopatie ? Mono, ça veut dire sol unique. Ouais, ouais, patie, c'est le pied, c'est le sentier, en fait. D'accord. C'est magnifique, magnifique, j'adore. Alors voilà, ça vue, c'est... Superbe. La vue de la citadelle. On est quasiment plongé à une autre époque, presque. Hein. Je suis pas déçu. Ça tient sa réputation, promesses. Ouais, vraiment. Bien, je t'en prie. Nous sommes arrivés. Donc ça, c'est chez toi déjà ? Voilà, ça c'est chez moi. J'ai du mal à se repérer entre les ruelles et les parties privées. Alors, bienvenue. Alors, je te précède, je vais te montrer ta chambre. Hop. Ah, c'est très cosy, voilà. J'aime beaucoup. Il y a un petit côté nid douillet là. Hein, les plafonds sont bas, les pièces sont toutes petites. Je suis sous le charme de ton lieu. Les boulets Merci. De canon, ça. En fait, ouais. Chaque fois qu'on excave à Monemvasia, on tombe sur des boulets parce que la ville a été tellement de fois assiégée. Ouais. Il y a eu de nombreuses batailles qu'il y en a partout. Et je me dis toujours que je suis bénie des dieux d'être devant un tel panorama. Alors, on va boire un petit verre d'ouzo. Évidemment. On le sent en Grèce. Qui est la boisson locale. C'est adorable, en tout cas. C'est des petits capres. Petit capre et fenouil marin. Mmh. Et du reste, nous allons ramasser des capres. Ah, t'as prévu de m'emmener voilà. Une petite cueillette. Excellent. Une petite cueillette. Alors, merci. À notre santé. Merci à ton beau rocher, la visite. À Monemvasia. Et puis, voilà, cette belle journée, j'espère, qui nous attend. Comment tu t'es retrouvé sur cette petite île? Parce que, à ton accent, je sais que tu es suisse. Alors, bon, mon mari est grec. Un beau jour, il m'a dit qu'il avait envie d'une petite maison en Grèce. Et on a rencontré les Anglais qui voulaient vendre cette propriété. Et ils nous ont invités un soir à manger. Et la lune s'est levée juste en face de nous. Elle est sortie de la mer comme une boule de feu rouge. Chris, il était béat devant cette beauté. Et il me donnait un coup de pied sous la tarte en me disant, on achète. Donc un coup de foudre. Un coup de foudre. Reviennent avec le soleil quand même. Avec vivacité. Quand il y a une maison neuve, on doit construire comme c'était à l'époque. Donc il y a beaucoup de contraintes qui fait que l'endroit est sauvegardé. Yassou Donis. Bon courage, hein. Faut de la force dans les ruelles. Là, on part à l'aventure, on quitte la citadelle. Exactement, on sort des frontières de la citadelle. Ah, regarde, Jérôme, il y a déjà des capriers ici contre la falaise. Ouais. Et on va aller plus loin. Uh-huh. Et en fait, demain matin, tu vas aller pêcher avec Fautis. Ah oui, ton copain pêcheur, voilà, d'accord. Voilà, donc si vous prenez une raie, on pourrait se faire une raie au capre. Très bien. Ouais, je préfère la raie au capre que la raie au milieu, moi, en plus. Donc... Alors là, Jérôme, nous découvrons le champ de capres. On va prendre nos petits sachets et on va cueillir en fait les boutons petits. Qu'on appelle capres. Frais comme ça, ils ne sont pas comestibles, c'est pas bon. Je ne te demanderai pas d'en mettre un dans la bouche pour goûter. Non, on les met dans du vinaigre pendant une dizaine de jours. Et puis après, on les conserve dans la saumure. Celui-là, il a du mal à venir. Il est un petit peu, capricieux, je pense. Voilà. Les traditions sont encore bien ancrées chez les Grecs.
Chaque week-end, ils ont un rituel qu'ils ne manqueraient pour rien au monde. Le dimanche, ça a toujours été un jour où on se réunit en famille. Avant, tout le monde se rencontrait dans la maison du père à l'heure du repas. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que les gens viennent à la taverne. Parmi tous les mets grecs, il y en a un dont la réputation a fait le tour du monde. La moussaka, c'est évidemment un des plats les plus emblématiques de la cuisine grecque. Et ça ne risque pas de changer. On va la conserver, cette tradition. La moussaka, de l'aubergine, des tomates, des pommes de terre et de la viande hachée. Une recette mythique pour une question. Comment le porte-étendard de la gastronomie grecque résiste-t-il à l'assaut du temps ? Pour le défendre, le plat peut compter sur ses gardiens. J'essaye de trouver une aubergine pas trop épaisse, pas trop grosse, dans laquelle on peut faire de grosses tranches pour la moussaka. Elles sont vraiment fraîches, vous pouvez voir les fleurs ici. Et sa queue, vous voyez, est bien verte. Question légumes, Madame Lambraki en connaît un rayon. Chers amis, cet après-midi, dans notre émission, nous allons apprendre un plat bien particulier. Et pas de n'importe quelle manière. La chef est une star du petit écran. Chaque semaine, cette spécialiste de la cuisine traditionnelle délivre aux téléspectateurs ses conseils techniques. À bientôt. Le secret de sa réussite, s'inviter dans la cuisine de ses concitoyens. J'en mets beaucoup. Très bien, on coupe les pommes de terre aussi. Aujourd'hui, elle vient d'approfondir sa connaissance de la recette phare de la cuisine grecque. Très bien, maintenant, on la mélange bien avec les petits oignons. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir chez Madame Ketty, car elle prépare la moussaka de façon traditionnelle en suivant la recette de sa mère. À l'origine, la moussaka est un plat inspiré aux Grecs il y a 5 siècles par l'occupant ottoman. Mais aujourd'hui, dans le pays, chaque village a ses variantes. Chaque cuisinière a ses secrets. Et la méthode de Madame Ketty semble séduire son invité. C'est super bon. Aucune tradition gastronomique ne reste stable. Elle se développe, de nouveaux ingrédients rentrent dans la recette. Si c'est une recette qui a été inventée dans un village et que la mère de famille déménage vers la ville, alors la recette va changer, évoluer. C'est comme ça que ça se passe. La recette ne serait donc pas figée. Et certains ont même comme mission de la faire évoluer. Là, on va disposer des petites gouttes d'huile. L'huile aromatique qu'on a utilisée pour confire les aubergines. Aujourd'hui, les élèves de cette école hôtelière apprennent une version revisitée de la moussaka. Car depuis quelques années, la cuisine fait à nouveau recette. De plus en plus de jeunes reviennent à la cuisine. Mais ils y viennent dans une autre optique. Aujourd'hui, nous, on leur apprend à bien régler les températures et à faire frire avec beaucoup moins d'huile. Tout ça en conservant les bases et l'amour pour ce que tu fais. Ce à quoi l'on veut accéder, c'est un plat qui forme un pont entre la tradition et l'époque dans laquelle on vit. Moi, ce que je veux, c'est que tu mettes sur le plateau les ingrédients un par un. Tu commences à dresser comme je te l'ai montré. Ces recettes traditionnelles, c'est notre base. Sans ça, tu ne peux pas avancer. C'est comme pour la gastronomie française. Il faut maîtriser notre cuisine, sinon on ne va nulle part. Mais aujourd'hui, on essaye de dépasser tout ça autant que possible et d'avancer. Même si on gardera toujours les secrets de nos grands-mères. Au fil des époques, la recette phare de la cuisine grecque a su se réinventer. Aujourd'hui, la moussaka est toujours dans l'air du temps. Bienvenue sur Saint-Nicolas. J'espère qu'on va avoir beau temps quand même.
compagne fautiste à chaque fois. Chaque fois qu'il met les filets, ouais. C'est mieux à deux. Qu'est-ce que tu pêches comme poisson ici? Du dandy, de la merue, de l'espadon, du thon. Ah oui. Est-ce que le succès de Nomen Vassia, tu le ressens toi dans ton travail? Est-ce que tu sens que vraiment l'affluence de touristes fait que ton activité est meilleure? Ben pour nous c'est meilleur parce que plus du monde passe dans les villages, ben plus on peut vendre notre produit quoi. Alors c'est bien, c'est très bien. Ah bien Pascal. Ça blanchit? Ah oui, oui. Il y a la dorade. Ouais, la dorade. Tu veux rigoler avec les dauphins? Les dauphins sont, je pense, plus intelligents que nous. Ils guettent le soir, ils attendent alors que tu fais tomber tes filets dans la mer. Ils se cachent parce qu'ils ne veulent pas que tu le vois. Quand toi, tu pars, ils regardent tes filets sont tombés comment dans la mer. Là, ils partent, puis commencent à chercher du poisson. Puis conduisent les poissons sur tes filets. Autrement dit, ils utilisent tes filets pour attraper leur bouffe. Après, ils vont sur le filet. Comme les poissons sont attrapés, puis paf, 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 non. Donc ils utilisent ton filet comme un piège? Ouais. C'est... Puis le plus beau à la fin, quand ils ont fini, ils utilisent le filet comme dentifrice pour nettoyer leurs dents. Mais non. Ouais. Ouais. Parce qu'elle est contente. C'est chanceux. Ouais, un chanceux un peu poulpe. Regarde-moi ça. Bon, c'est chouette hein, de m'avoir accepté sur ce bateau pour la pêche, là, c'est un chouette moment. C'est ce qui est assez génial, je trouve, ici, c'est que les gens, voilà, ils ouvrent toujours grand leurs bras, quoi qu'ils fassent. Il y a toujours cette notion de partager, de vivre les choses avec les autres. Ben, les Grecs sont philoxènes. Ça fait partir de deux mots, philos, xénos, ami avec l'étranger. Mmh. Puis les Grecs, bon, on l'a, ça. On aime accueillir des gens chez nous, on aime partager, on aime apprendre, boire du bon vin, puis rigoler. Alors, mon ami Jérôme, voilà, on a fini pour aujourd'hui. Bon. Là, on va rentrer à Nomen Vassia. Ouais. Aller manger les poissons, puis ouais. Le cœur. Super. Raconter notre copine Isabelle. On va retrouver Isabelle. Comme d'accord. Ça, tu peux continuer ton tour. Super, ça me va. Très, très beau. Voilà, merci. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et faire l'histoire. Merveilleux, ouais. Hein, c'est impressionnant. Hein. Une merveille. Il faut le manger maintenant. Ça va pas être difficile. Huile d'olive, citron. Ça, c'est voilà. L'huile d'olive avec citron. Jérôme, on va faire une petite marche digestive après ce bon repas. Ouais. Je vais te montrer en fait un endroit que j'aime avec une superbe vue. Là, on retrouve toutes les qualités de la Suissesse qui sait grimper, qui sait monter, 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 monter. Exactement. Retiens ton souffle. Ah ouais, quelle vue incroyable. Ah, c'est super. Devant nous, on a le clocher avec la place devant, la placette. D'accord, ouais. Il y a la grande église El Comenos, qui veut dire Jésus sur la croix. Ouais. Et moi, en fait, ça fait 10 ans que je suis là et ça fait 10 ans que je ne m'en lasse pas. Ouais, ça a toujours le sourire, les yeux qui pétillent. C'est une histoire d'amour, finalement, que tu vis avec ce petit village. Exactement. En tout cas, de ma semaine ici dans le Péloponnèse, j'ai trouvé que cette région était en train de se développer, finalement, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus aux visiteurs étrangers, à l'extérieur. Oui, en fait, la crise a fait que, d'un côté, l'économie était bloquée, mais de l'autre côté, il y a des belles initiatives qui jaillissent. Je les ai constatées pendant le voyage. Ouais, ouais. C'est flagrant. C'est comme si les jeunes, mais aussi les gens, prenaient conscience que finalement, il y avait un vrai trésor dans cette région. Exactement. Hein? Comme ouais. Si le Péloponnèse avait des ressources et des atouts qu'il n'avait peut-être pas vraiment remarqué. Quoi. Voilà, bah, écoute, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci. On vous dit à très vite pour de nouvelles échappées belles. Merci de nous avoir suivis. Merci. J'espère que ce voyage vous a donné envie de venir sur nos traces. Voilà, à très vite. Au revoir.